Salut les Charlots et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Charlots de l'Auto. Aujourd'hui, on va parler Youngtimer. Non mais... Quoi? Il y a une diff entre Youngtimer et Merguez, non? Attends gars, pour 9000 balles, je roule en Porsche. Ouais, en fait, tu roules avec une 944, c'est pas vraiment une vraie Porsche. Mais si. Allez, regarde ici, c'est sigle et Porsche. Tu veux dire le logo à moitié rempli de verre de gris là? Non, alors déjà... T'es de mauvaise langue parce que tout à l'heure je t'ai montré au garage, tu m'as dit c'est le vrai logo et moi je t'ai dit non, c'est un autre logo collé par-dessus. Oui, mais là je vais m'apercevoir qu'il y a du vert de gris dégueulasse dessus. Bon, on va pas commencer à la critiquer aujourd'hui. Petit format différent sur la chaîne, on va vous expliquer ou de moins vous donner quelques conseils pour bien acheter un Youngtimer, les choses, pardon, à repérer et surtout quelques conseils, voilà, pour pas vous précipiter dans votre achat et ne pas faire comme notre ami qui a acheté aujourd'hui ce gros saucisson. Et nous l'appellerons donc L'instant Pedro. Voilà. Aujourd'hui, Porsche 944, qui est un Youngtimer. Qu'est-ce qu'un Youngtimer, Flo? Donc, vas-y. Une Youngtimer, c'est une auto considérée comme collection ou en carte grise collection suivant si elle a entre 25, 30 ans ou plus. Tout à fait. Voilà, on va être précis. C'est une auto plaisir que vous allez prendre, du coup, plaisir à rouler le week-end, à contrario de votre voiture de la semaine qui est en général aseptisée et à laquelle vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Alors, vous amusez à la rouler, mais aussi à la bricoler. C'est des autos qui sont plus faciles que les modernes à bricoler, sauf cas exceptionnel, évidemment. Donc, il faut vraiment faire attention en achat. Ça peut vite revenir très cher d'acheter une Youngtimer qui a été mal entretenue ou qui a été maquillée, tout à fait, c'est le mot que je cherchais, pour en faire vraiment une voiture spéculative. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qui arrive beaucoup. On a des prix qui sont assez exorbitants sur certains véhicules. Ouais. Et pour une 944 par exemple comme celle-ci, on a des prix qui peuvent commencer à 8000 euros, voire 7000 et aller jusqu'à 25000 euros. Comment faire une bonne affaire? Tout simplement en ne se faisant pas piéger. Et c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. Tout à fait. Première chose qu'il faut bien vous mettre en tête, et ça, ça sera valable pour toutes les voitures en général, ne vous précipitez pas pour un achat. Moi le premier, quand j'aime une voiture, quand j'ai décidé de changer la mienne, j'ai tendance à partir un peu tout feu tout flamme et regarder un peu tout ce qu'il y a et vouloir que ça aille vite. Flo le vit au quotidien, oui, avec la vente de la GT86. Voilà, j'ai envie que ça aille vite, que ça avance parce que j'ai déjà mon nouveau projet. Sur une voiture comme ça, quand on est sur des voitures plus anciennes, il faut faire attention parce que il peut y avoir tout et n'importe quoi. Il y a des bonnes voitures, il y a des voitures qui ont été bien restaurées, mais il y a des voitures aussi qui ont été souillées, qui ont été pas respectées et beaucoup ont été maquillées pour donner un aspect joli parce qu'on va jouer sur la cote de la voiture, sur l'aspect sentimental de la voiture et l'esprit de Youngtimer, comme tu disais, qui remonte en flèche. Ah oui. J'ai regardé moi justement pour les AX GTI suite à notre vidéo sur l'AX, on vous met le lien ici, l'AX versus la Twingo, les AX GTI. C'est incroyable la cote que ça a pris depuis quelques années. Et on n'imagine même pas une chrono. Et on n'imagine même pas les versions encore plus rares, d'ailleurs, comme tu disais, les chronos. Donc faites attention, ne vous précipitez pas. Prenez du temps. Voilà. Et vraiment, ne vous dites pas, je veux acheter une voiture, il faut que je l'achète dans le mois ou il faut que je l'achète dans les 2 mois. Il faut savoir être patient. C'est comme en immobilier, il faut savoir être patient. C'est surtout que ce n'est pas ta voiture de tous les jours. Donc tu n'as pas de nécessité d'en avoir une de suite. On a le temps, vous avez 6 mois, un an. Perdre peut-être 6 mois à en trouver une vous fera sûrement éviter d'acheter une merguez. Exactement. Voilà, donc, alors attention. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'éviter. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez l'éviter et ça ne veut pas forcément dire qu'au moment où vous allez regarder, sur le marché, il y en aura une très belle dans votre budget qui vous plaira, qui sera nickel et qu'il faudra se dire, ah ben j'attends un peu. Si ça se trouve, ça sera de suite. Mais dans la plupart des cas, allez voir plusieurs voitures, faites-vous un avis. Tout à fait, essayez-en plusieurs. Faites-vous conseiller surtout si vous avez des amis qui ont un garage. Voilà. Faites-vous conseiller, allez les voir à plusieurs et regardez quelques points. Et on va justement vous expliquer quels points regarder en détail. Moi, je partirai du principe qu'il y a 3 phases. Il y a la phase de recherche, on va dire. Tout à fait. De visite des voitures et de l'après-vente, entre guillemets. Déjà, sur la phase de recherche, vous avez le bon coin, évidemment, les petites annonces, les réseaux sociaux, le marketplace, on ne va pas tous vous les faire. Exactement. C'est surtout... Prenez le temps de voir en fait combien vaut votre projet. Vous pouvez vous dire, ben, j'ai 7000 euros, je vais m'acheter 944. Et bien aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que 7000 euros, vous n'allez pas en avoir beaucoup ou ça va vraiment être des autos dans un état qui sera moyen. Encore une fois, attention, si vous avez 7000 euros, c'est peut-être 7000 euros, mais vous savez que vous voulez acheter une voiture
avec travaux. C'est ce que j'allais dire, comme pour un appartement presque. Comme pour un appartement, tout à fait. Ce que je voulais dire surtout, c'était que soit en fait, vous allez changer de projet pour une autre auto, ce qui est possible, soit vous allez attendre pour que vous ayez plus de moyens pour pouvoir vous payer cette auto-là. Alors l'inconvénient, c'est qu'avec les spéculations aujourd'hui, quand vous allez vouloir en acheter une d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais elle aura pris de la valeur, donc ça va être plus compliqué qu'on en trouve une. Mais bon, bref, ça, c'est autre chose. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez commencer à démarcher des gens sur Le Bon Coin ou autre site, ou professionnel ou autre, mais si vous voulez vous la chercher vous-même, je me tourne pour éviter d'avoir le vent dans le micro, vous allez en général poser tout le temps les mêmes questions, c'est-à-dire les factures d'entretien, c'est-à-dire le contrôle technique, qu'il faut qu'il y ait le moins de choses possible, mais bon, c'est des voitures qui ont 30-35 ans, il y aura forcément quelque chose. Vous n'aurez jamais les moyens d'acheter une voiture état concours. Peut-être qu'il y en a un ou deux sur la chaîne, mais ça m'étonnerait. Si, il y a des gens qui peuvent se permettre d'acheter des voitures état concours. Actuellement au garage qui est en état concours, elles vont 105 000 euros pour une Porsche. Voilà. C'est faisable. Ça dépend des budgets de chacun. Abordables, vous n'aurez jamais le moyen d'acheter une voiture état concours. Donc, le contrôle technique aura forcément des choses dessus. Il ne faut pas avoir peur. C'est juste, c'est normal. La voiture, elle a vieilli. C'est des voitures qui ont du vécu. Bien sûr. Et peut-être qu'il y aura des choses sur le contrôle technique, peut-être que ça sera des choses mineures, des choses un peu plus importantes. L'important, c'est de rester cohérent avec le budget de départ. C'est surtout de la première alerte. La première alerte merguez, on dira. On va faire un compteur d'alerte merguez. On vous mettra des petites merguez en bas à la vidéo qui apparaîtront. Contrôle technique vierge. La première alerte merguez, c'est un contrôle technique vierge. Parce que déjà, ça veut dire qu'il y a eu triche. C'est pas possible qu'on ait passé un contrôle technique voiture de 35 ans où il n'y a rien à faire dessus. Il y aura forcément quelque chose à faire. Il y a toujours un petit ripage, un petit frein, un petit... Celle-là, on va juste dire un truc par exemple. Les pneus d'avant qui sont de 2010 et derrière de 2002. C'est pas notre contrôle technique. Alors je sais que la durée de vie des pneus, c'est 5 ans, c'est poubelle. Voilà, 5 ans, 2002, 2021, on vous laisse faire le calcul. Voilà, donc soit il y a eu des pneus occasion qui ont été montés dessus, soit elle a vraiment pas brûlé. Voilà, démerdez-vous. Vous avez une calculette, vous tapez 2021 moins 2002 et vous l'avez votre calcul. Vous vous avez calculé 2021 plus 2 moins 2002. Voilà, bon. Voilà. Allez, salut. Avoir le maximum de factures possibles d'entretien. Oui. Vous n'aurez pas toutes les factures, la voiture a 30 ans aussi. Mais arriver à chiffrer les 5-10 dernières années, c'est déjà très bien. Si vous arrivez déjà à avoir le carnet d'origine de la voiture quand elle était entretenue, quand elle est sortie neuve et que les gens ont fait l'entretien dans les garages, si ça a été fait dans le garage constructeur. Non, mais pas arriver, tu l'auras pas. Dans ces budgets-là, tu n'auras jamais. C'est juste avoir les 5-10 dernières années de facture, c'est déjà très très bien. Hein. Des fois, tu peux avoir le carnet. Attention, il ne faut pas faire des catégories en disant qu'à ce prix-là, on peut pas avoir tout l'un ou tout l'autre. Sur cette voiture, non, c'est impossible. Sur cette voiture-là, c'est impossible. C'est une merguez en puissance. Et là, tu peux mettre une grosse merguez. Hein, Karl ? Il y aura des gens qui seront méticuleux. Je connais des propriétaires de voitures qui sont aussi anciennes que ça, qui ont le carnet d'entretien d'origine. Ça dépendra de la voiture. C'est pas une question de prix. Ça dépendra vraiment des propriétaires avant. Plus on va dans le temps, moins on en a. Essayez d'avoir le maximum de documents. Que vous ayez le carnet ou non, ou après toutes les factures. C'est surtout que ça sert à rien de tout avoir. Si vraiment on a les 10 dernières années, ça sert à rien de savoir que la première vidange, elle était bien faite en 86. Hein. Si après, il n'y a rien eu. Hein. C'est l'aspect, encore une fois, Youngtimer collection. Voilà, après, c'est mon avis. Moi, si je pense que si tu peux l'avoir, c'est mieux. Bon, une voiture bien entretenue les 5 dernières années, déjà, c'est très bien. Hein. Oui. Mais toi, tu vois pas l'aspect collection. Ah non. Mais moi, je veux une voiture qui roule. Voilà. Donc déjà, faut pas acheter celle-là. Elle roule. Elle start and stop en fait. On fait juste une petite aparté pour vous expliquer. En fait, cette voiture vient juste d'être achetée par un ami à nous. Je l'ai pris ce matin pour qu'on fasse le sujet Youngtimer. On a fait à peu près 8 km. Sur 8 km, elle s'est arrêtée 3 fois en roulant. Véridique. Hein. J'ai pris une plaque d'égout, elle s'est coupée. La première stop and start. Le premier stop and start roulant. J'ai calé un feu, donc ça c'est peut-être dû à moi, mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas en forme non plus. Donc voilà, faites attention à ce que vous achetez vraiment. Tout à fait. Là sur l'avant-visite, il y a aussi demander l'historique du véhicule sur Istovec. C'est accessible aujourd'hui par tout le monde. Oui. Il suffit d'avoir 2-3 petites informations. À la rigueur, demandez juste la carte grise, une photocopie de la carte grise. Le script s'envole. Non, le script. Reviens, putain, il s'en va loin. Ah, le script, c'est bon. On l'a les gars, parce que sinon on était perdu pour la suite de la vidéo.
si on perd le script. Allez, on reprend. Allez, on court, allez. Hein. On motive la vidéo. Hop. On met du contenu. D'ailleurs, abonnez-vous. On court derrière le script hein, pour vous faire des vidéos de qualité. Hein. Comme tu cours derrière les abonnés, toi. C'est pareil. Et on court derrière les abonnés. Et toi, derrière les meufs. Allez, c'est parti. Sorry, not sorry. Donc, demandez la carte grise, une photocopie de la carte grise au à l'ancien propriétaire qui, de ce fait, vous permettra d'aller sur Istovec et de consulter l'historique des contrôles techniques et du nombre de mains qu'elle a eu la voiture. Celle-là, par exemple. C'est payant, attends, c'est juste. Ah non, c'est gratuit, c'est gratuit, Istovec. C'est gratuit, Istovec. C'est entièrement gratuit, monsieur. Donc, si c'est gratuit, profitez-en. Tout à fait. Celle-là, par exemple, c'est une 9e main. Rappelons l'année. 86. 86, 9 propriétaires. En fait, pendant grosso modo 5 propriétaires, elle a changé tous les 2 ans de main. D'accord. Voilà. Le dernier, elle a gardé 12 ans. D'accord. Entre le dernier contrôle technique, parce que ça, vous l'avez sur Istovec, qui date de 2021, et l'avant-dernier qui date de 2019. 19. Bravo. Oui, c'est 2021-2. 2020, tu as raison, c'est très facile. C'est pour ça qu'il faut que vous vous abonniez à la chaîne pour qu'on achète des calculettes ou qu'on prenne des cours de maths. Ou pas des cours de maths. Elle a fait, d'après toi, combien de kilomètres ? Sur les deux rapports de contrôle technique. Entre les deux, hein ? Ouais, en 2 ans. Est-ce que je fais le mec qui est pas au courant de l'info ou je fais le mec qui est pas au courant de l'info ? Alors, si je suis pas au courant de l'info, je dirais 5000 kilomètres. Ce qui est une utilisation presque de young timer normal. Un young timer entre 5 et 10. 5 et 10 000 grosso modo à l'année. Voilà. Elle a fait exactement 0 km. J'étais pas au courant. C'est incroyable. Donc, 0 km. Deuxième alerte merguez. Et la deuxième merguez apparaît. Il y a une explication à ça, c'est que le compteur a été démonté pour mettre un compteur GPS. On vous expliquera ça, une autre vidéo, l'intérêt. Ça aussi, c'est très drôle. Hein. Mais ça, c'est la troisième alerte merguez. Pourquoi le compteur d'origine n'est pas sur la voiture alors qu'il est fourni? C'est sûrement qu'il y a une pièce qui est cassée. Donc, il faut se poser du coup des bonnes questions. Tout à fait. En fait, c'est juste être logique et ne pas se précipiter sur son achat. Donc ça, tout ça, ça va être avant du coup de commencer vraiment à faire des visites. Parce que déjà, si vous n'avez pas ces informations-là, ça ne sert à rien de vous déplacer ou de vous la prendre sur une voiture. Ne pas hésiter à poser plein de questions. Et si le vendeur est réticent à vous répondre, dit « j'ai pas le temps, machin », déjà, c'est que… Quatrième alerte merguez. Les gens qui veulent en dire le moins, qui ne veulent pas envoyer de photos, qui ne veulent pas donner d'infos… venez voir la voiture, mais venez la voir à telle heure quand il fait nuit, s'il fait sombre. Ah oui, ça d'ailleurs. Voilà. On ne voit une voiture qu'un jour où il fait beau. Qu'il pleut pas. Voilà, il pleut pas. Parce que les carrosseries sont toujours magnifiques quand il pleut. Mais oui. C'est l'effet perlant de la pluie. J'ai lavé, elle est belle. Non, mais là, elle est sèche. Mais voilà, donc faites attention à tout ça. Un propriétaire de voiture qui veut vous la vendre, qui vous donne zéro info, qui est très distant, comme il disait Flo. Quatrième alerte merguez. Voilà. Attention. Donc ensuite va venir le moment de la visite. De la visite. Donc c'est à ce moment-là que vous allez poser encore quelques questions. Évidemment, vous assurez que les pièces qui vous a promis, par exemple des factures ou quoi, elles y sont. Mm-hmm. Voir le contrôle technique, vérifier la date pour voir s'il est toujours valide. Ça aussi c'est tout bête, mais c'est moins de 6 mois. S'il a 7 mois, vous pouvez exiger évidemment de qu'il le refasse parce que ça ne vaut plus le même prix la voiture. Elle n'a plus de contrôle technique valide techniquement. Exactement. Et là surtout. Vous allez la voir en vrai, donc prenez du temps pour regarder en détail le véhicule. Il faut être méticuleux. Méticuleux. C'est comme sur Mythique. Mais avec des e-le. Avec des e-le. Ouais. Avec des e-le. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous voulez et si vous avez l'opportunité de le faire, venez avec quelqu'un qui connaît au moins un petit peu les véhicules anciens. Alors attention, pas le pseudo tonton qui a eu une Clio 3 RS par le passé et qui est soi-disant pilote du dimanche et qui connaît les voitures sur les doigts de la main. Non, quelqu'un de votre entourage qui a déjà peut-être travaillé un peu dans la mécanique ou qui a un ami garagiste. Voilà. Faites un garage, voilà, abonnez-vous. pour vous accompagner et faire ensemble le tour du véhicule. Si c'est pas possible, prenez votre temps, regardez, prenez en photo, n'hésitez pas à vous pencher, à regarder en détail. Mieux que ça, moi je l'ai fait pour certaines de mes autos que j'ai achetées. Pour avoir un terrain neutre avec le futur acheteur, demandez-lui, écoutez, on va prendre rendez-vous dans un garage, on va prendre une heure de temps d'un garagiste. Tout à fait, c'est faisable aussi. Vous allez dans un garage, vous dites au garage, écoutez, je veux acheter cette voiture, est-ce qu'on peut la lever sur un pont? Est-ce qu'on peut faire un relevé de compression? Si c'est possible, est-ce que vous pouvez vérifier les jeux, tout ça? Vérifiez bien que le contrôle technique aussi, il est
il corrèle avec ce que va me dire le garagiste. Ça va vous coûter peut-être, allez, de 70 à 120 euros, suivant le temps qu'il y passe, c'est le taux horaire. 200, ouais, allez, comptez 200 balles, 200, 200, 300 balles, suivant ce que vous faites. Vous gaspillez 200 balles maintenant que 10 000 dans l'année qui suit, quoi. Exactement. C'est juste vous assurer de votre achat. Si en effet, ben, ça passe, vous continuez la vente, et vu que vous êtes dans un garage, où vous avez toujours des facilités pour avoir des papiers pour la vente, et à la rigueur, même, vous vous débrouillez avec le garagiste pour qu'il ben, vous fasse la carte grise ou quoi, ça fera une pierre deux coups. Je vais continuer là-dessus. Imaginez que vous n'avez pas de tonton mécano, vous n'avez pas de copain garagiste, et vous n'avez pas la possibilité de l'amener dans un garage, ou le nouveau propriétaire ne souhaite pas. C'est qu'il a l'air de merguez, il veut pas l'amener dans un garage, il y a peut-être une raison. Bref, ça c'est autre chose. Ça en vous fait allez des merguez faire à l'écran. Vous-même déjà un petit tour du propriétaire. Vérifiez la base, c'est que quand vous la regardez, qu'elle soit symétrique. Et si on se met devant celle-là, on s'aperçoit que le capot, eh bien, il rentre plus d'un côté que de l'autre. Alors, là vous voyez, ici c'est plus rentré que là. Donc c'est qu'il y a un problème. Le pare-choc est mal aligné, le capot est mal réglé, la voiture a peut-être eu un choc. Et on se rend compte ici aussi, hop, on passe à la main, que le capot il dépasse de l'aile. Peut-être qu'elle a eu un choc ici cette voiture. Et vous allez du coup inspecter à l'intérieur, voir si c'est pas des traces de réparation. Vous voyez, c'est des petites choses, mais au premier abord, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué. Et c'est Flo qui l'a vu, tout là, en faisant la vidéo. C'est vrai qu'on n'avait pas fait attention que ce capot rentrait légèrement sur le côté droit. Donc déjà, première alerte, attention, pourquoi? Regardez, très important sur une voiture de cette génération-là, la peinture, c'est un des premiers éléments qu'on va regarder aussi. L'état de la peinture générale. Les éclats de rouille. Voilà. Si ça a été repeint, on peut le voir suivant comment ça a été fait. Ça peut se voir très vite. Vous avez ici l'exemple d'une peinture propre. Et là, hop, regardez, le vernis qui s'en va. C'est une petite alerte pour contrôler d'autres points éventuels de la voiture. Mais déjà, après, voilà, quand t'as une voiture qui a 35 ans, il y aura des défauts. Elle a sûrement été accidentée une fois. Du moment que c'est bien réparé, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. D'accord. Comme là, ça. T'as encore perdu ta bonnette. J'ai perdu ma bonnette. Il perd la bonnette. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour qu'on ait des bonnes bonnettes qui tiennent. On va y mettre un risque là. Donc ce que je disais, c'est surtout qu'en fait, elle a sûrement été repeinte déjà cette voiture où un voile a été fait. Et je pense que celle-là a eu un voile de vernis qui a été fait récemment, en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on a les éclats de vernis à droite à gauche. La carrosserie est vraiment en trop bon état partout pour avoir des pets tout le tour du pare-brise. On a des pets et c'est la peinture a sauté. Donc le reste est beaucoup trop joli par rapport à ça en fait. Ça détonne. Donc il y a quelque chose aussi à regarder. Cloque de vernis. C'est cloque de vernis ça. Il y a des cloques ? Ah ouais, là tu le sens au doigt. Ah oui, je les vois. Regarde, là, il y a de la cloque partout. Là, on dirait qu'il y a un pneu qui a roulé dessus. Regarde, on dirait une trace de pneu. C'est vrai. Mais là, je pense que la voiture a eu un voile de vernis qui a été, je pense, fait trop vite. C'est pour ça que du coup, que ça cloque. Alors, je sens, il y a des cloques partout sur la portière. Le temps qu'on est sur la partie basse de la voiture, la rouille, c'est très important sur les anciennes voitures. Si vous n'avez pas le moyen de lever la voiture, il n'y a pas de cric, il n'y a pas le pont, passez votre main sous les bas de caisse. Voilà, faites attention à ne pas vous couper suivant les endroits. Mais vérifiez, penchez-vous, n'hésitez pas à regarder. Bon, là, je vais arrêter de regarder parce que je vais tomber dans les pommes. Mais regardez bien, ça, c'est très important, la rouille sur les voitures anciennes. Il faut vraiment surveiller ça. Faites attention. Dans la liste des choses à vérifier, vérifiez que la voiture est d'origine. Et que vous avez activé la cloche. Tu parles de qui? La cloche. Hein? Non, activer la cloche. Dans les choses à vérifier. À vérifier que vous avez activé la cloche. Gling, gling. Donc, dans les choses à vérifier, vérifiez que la voiture est d'origine. Pourquoi? Une voiture qui a été modifiée a moins de valeur, évidemment. Et les pièces aftermarket sont en général de moins bonne qualité que les pièces d'origine. Tout à fait. Je dis en général. En général, parce qu'il y a des voitures où malheureusement les pièces ne sont plus produites et c'est des nouveaux ateliers qui reproduisent les pièces et ce n'est pas du vraie pièce d'origine. De vraies pièces d'origine, mais ça reste de la bonne qualité. Voilà. Mais voilà, effectivement, si vous avez un pare-choc tuning posé. On peut parler de celle-là, encore un coup. Elle a des jantes qui ne sont pas d'origine. Oui. Elle a le train avant qui est le train avant d'une turbo, donc qui ne correspond pas à l'origine. Elle a une ligne d'échappement inox du coup qui ne correspond pas à l'origine. Elle a un compteur qui ne correspond pas à l'origine. Ah non, le compteur, puis le compteur est infect. Hein. Oui, on est d'accord. Le compteur est infect. Et elle a surtout deux Neyman. C'est vrai. Petite particularité de cette Porsche. Qu'est-ce que le Neyman? C'est là où vous mettez votre clé pour démarrer. Voilà. Pourquoi il y en a deux? Ce n'est pas une Bugatti Veyron. Déjà,
Déjà, ce n'est pas une Bugatti Veyron parce que la deuxième clé sert à débloquer la puissance totale. Voilà. Là, vous ne débloquez rien d'autre que le démarrage moteur. Et c'est surtout, on est sur une Porsche 944. Particularité, le Neyman est du bon côté comme sur toute voiture. Il n'est pas à gauche comme sur les autres Porsche. Voilà. Et là, vous avez un petit Neyman caché sous le tableau de bord qu'on vous montrera à la GoPro tout à l'heure. Caché sous le tableau de bord avec une clé de berlingot qui vous permet de officiellement démarrer le véhicule. On va pas vous mentir, c'est assez cocasse. Attention, alerte merguez, encore des modifications. Ah, puis celle-ci, je crois que c'est la première fois. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Dans l'automobile, j'ai jamais vu ça. Alors, je travaille pas dans l'automobile, mais j'ai vu passer pas mal d'auto et surtout pas mal d'anciennes. J'ai jamais vu une voiture à double Neyman. Non, c'est clairement pas. C'est clairement pas. Quentin, nous voilà dans la 944. Alors, on en a parlé en... pas forcément bien. On va vous expliquer l'histoire du deuxième Neyman du coup là. Le deuxième Neyman. Déjà, moi j'adore les intérieurs anciens comme ça, je trouve ça trop cool. Bon, bref. Premier Neyman. Déjà qui est à droite pour une Porsche. Et qui est un Neyman de Golf 3. On tourne la clé jusqu'au bout. Mais ça ne démarre pas. Il n'y a rien qui se passe. Ok. Et là, petite subtilité, juste ici on voit le petit brillant, une clé de berlingot. Sans la clé pour la montrer quand même aux abonnés. Une petite clé de berlingot Citroën, on vous ment pas. Et attends, maintenant faut que j'arrive à la remettre dedans, c'est ce qu'elles disent souvent. Hop. Et là, je tourne, je braque tout, les compteurs bougent, ça s'allume. Et voilà mes amis. C'est magnifique. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que c'est pas le meilleur système anti-vol possible. J'espère que. Non, ça filme toujours. Non mais alors, j'espère surtout qu'il y a un bon stabilisateur sur la GoPro. Tu as la parking ça. T'as un bon stabilisateur sur la GoPro? Parce que. Alors on en parle de ça qu'il faut décaloter aussi là. Ah écoute, c'est un style. Et il est pas circoncis celui-là. Le poste en cassette mon copain. Mais il y a du jeu fonctionnel le poste aussi. Alors allez. Pas de direction assistée. Non, ça braque comme un camion. Après il y a l'avantage de la 944, c'est qu'il y a quand même 4 places. Il y a de la place derrière. Bah, étonnamment, il y a plus de place que dans la GT. De côté moins que la GT. C'est pas possible. C'est une deux places. Après voilà, c'est quand même stylé à conduire. C'est trop beau en plus. Donc voilà, quand vous l'essayez pour le jour de l'achat, n'hésitez pas à solliciter le moteur. Alors attendez qu'elle soit chaude, choquez pas le vendeur. Hein. Voilà, solliciter les freins. Ça fait combien ça? 163 chevaux? Ouais. D'accord. En 86. En 86, alors, vous l'avez pas avec nous, hein, mais il y a une forte odeur d'essence dans l'habitacle. Ouais, mais ça, c'est les vieilles voitures, ça. Oui, enfin là, quand même, il est prononcé. Le fameux compteur GPS. Ah, regardez-moi ça. Et alors, qui attendez. Affiche 0 km. Parce que, attends, parce que là, forcément, on est dans un rond-point, donc tu vas pas le voir, tu le verras mieux en ligne droite. Mais oui, c'est. Alors, après, l'avantage, c'est qu'il est rond. Heureusement, ils nous ont pas mis un truc, tu vois, par-dessus. Oui, en général, tous les autres, ils ont des tétons. Celui-là, il est moderne, il n'y a pas de tétons. Ouais. Sur les 2000, il y a des tétons. Bah oui. T'es bien renseigné là-dessus. Coquin. Beaucoup plus légère. Voilà, le compteur, vous le montre. Voilà. Il ne marche pas. Il marche en fonction du GPS. Vu qu'à mon avis, vu la météo qu'il y a, ça peut être génial. Voilà. Ah mais tout à l'heure, c'est simple. Hein, quand on est venu ici pour venir à notre lieu de tournage, à un moment donné, tu m'as dit accélère un peu pour voir comment elle tourne. Bah c'est simple. Hein, mon compteur était à zéro et d'un seul coup, il m'a affiché 90. L'aiguille est montée d'un seul coup. Donc là, vous attendez qu'elle soit chaude, vous regardez que les vitesses passent bien, que la direction n'est pas trop dure. Que l'embrayage ne soit pas trop dur. Vous testez les phares, vous testez les clignotants, vous testez tout. Hop, on va ouvrir les phares. Hop, les petits pop-up sur le 944, ça c'est trop cool comme sur la Corvette. On teste les essuie-glaces, même s'il ne pleut pas. Bon, il pleut pas. Voilà, on teste tout. On teste le chauffage. D'ailleurs, qui ne fonctionne pas. Le chauffage ne fonctionne pas, ou alors il y a un autre bouton. Voilà, mais il faut tester plein de choses. Vous freinez fort pour voir si ça freine, vous accélérez fort pour voir si ça accélère. La plaque d'égout pour pas caler. Voilà, mais il y a des choses. Il faut la faire vivre la voiture. Alors voilà, sans rentrer dans l'extrême, mais rendez-vous compte de la voiture, testez-la. Testez l'autoradio s'il y en a un. Après, l'autoradio, on n'achète pas ça pour ça. Mais testez l'autoradio, testez le,
voilà, le chauffage c'est tout con, mais voilà, là le chauffage ne fonctionne pas. Tester les warnings, ils marchent, je les ai mis tout à l'heure vu que je suis tombé en panne sur les boulevards bordelais. C'est pété. Le plaisir d'une ancienne, vous savez qu'il y aura des choses à contrôler. C'est pas bien de se moquer. Eh ben, reste droit, ça. Mais non, ça marchera pas. Allez, la pleine puissance. Ouais, fais gaffe au frein quand même. Oh, ça va. On sollicite les freins. Ça va. On remet un petit coup de deux. Bom, 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 bom. On remet un petit coup de deux. On passe la 3. On passe la 4. Ça va. Ça tient. On repasse la 3. Voilà. Solliciter les vitesses, les embrayages, les freins, ça freine. Ok. On repart tranquillement. Tout fonctionne bien. Mécaniquement, enfin, les embrayages, freins, tout ça, ça a l'air d'aller sur cette voiture, par exemple. Ça a oui, l'air. Oui, oui. Ça a l'air. Écoute, moi je trouve que ça va. Ça va. C'est juste le moteur cale pour rien, mais. Le moteur cale au moindre tout. Donc, si, bon. Imaginons, vous avez un véhicule que vous allez voir qui est modifié, exigez les pièces d'origine. On les garde, ça prend pas de place. Si, ça me prend, mais. Ça dépend ce que tu changes. Si on change 4 choses, ça prend de la place. Par exemple. Notre ami Pedro, l'instant il a les 4 zones d'origine, il a le train avant d'origine, il n'y a que la ligne d'échappement qui n'a pas d'origine. C'est très bien, ça, parce que d'avoir les origines, ça a plus de valeur. Et ça prouve que le véhicule, mine de rien, ben, ça n'a pas été changé à cause d'un accident, par exemple. Changer une jante, enfin changer les 4 jantes pour mettre celle-là, ça aurait pu très bien être parce que d'origine, elle avait shooté et qu'il y avait juste 3 jantes sur 4, du coup. Et vu le prix des jantes d'origine Porsche, c'est pour ça qu'il a peut-être mis ça. C'est un peu des supputations qu'on peut faire. Et au passage... Moi, je trouve que les gens lui, va super bien. Lui vont contre, très très bien. Elle est très très jolie. Très très bien, ça c'est sûr. C'est une des seules choses qui est jolie sur la voiture. C'est... Non, il y a les phares qui se lèvent, c'est joli quand même. Ah oui. Essayez-la la voiture. Ah oui. Oui, quand même. On l'a pas dit. Quand même, pendant quand même. La visite, essayez-la. Et essayez-la vraiment. Faites pas juste un tour de quartier. Je vois trop de gens et j'ai connu trop de gens qui ont fait des tours de quartier sur un parking. Ici, on est sur un grand parking, qui font un tour de parking. Non, une voiture, surtout une voiture ancienne, il faut l'essayer dans plusieurs conditions. En ville, sur des routes rapides, sur l'autoroute, sur la rocade, là où vous pouvez le faire, prenez le temps. Faites un essai, vraiment, prenez le temps, même si le propriétaire ne veut pas. Faites un essai d'une quinzaine, vingtaine de minutes sur plusieurs situations. Voyez le ressenti de la voiture. Quel est le temps de monter en température, de chauffer. Voilà, moi ce matin, j'étais très surpris par exemple. Prenez taper le temps. Taper dans les freins, que ça freine droit. Exactement. Que la course d'embrayage soit pas spéciale. Accélérer. Que la pédale accélérateur soit pas trop dure. Plein de choses en fait. Que quand vous accélérez, il n'y a pas de trou. Le bruit aussi. Oui, évidemment. Vous pouvez essayer sans radio ou avec le vendeur qui n'arrête pas de parler. On est d'accord. Ça voilà, on le répétera pas, tu garderas ton passage. Avec non, ta petite voix. T'as entièrement raison. Mais c'est vrai, c'est bien. C'est bien, hein. Pour un mec qui connaît rien en voiture. Et chapeau, le mec. Hein. Je mettrai une merguez sur ta tête. Oui, si tu veux. Ah, et oui, et t'en mets une qui danse. Si le propriétaire ne veut, souhaite pas que vous fassiez l'essai ou que vous conduisiez la voiture, attention. Alerte saucisse. 7ème arrêt de merguez. 6 ou 7ème, j'ai oh, voilà, on en est, hein, beaucoup de merguez. Merguez d'or, là. Voilà, non, faites attention. L'essai, c'est primordial, surtout sur une voiture, sur toutes les bagnoles, mais sur une Youngtimer, une voiture ancienne. Essayez, prenez le temps d'essayer. Et encore une fois, pas 5 minutes. Non. Faites un vrai essai. Il faut essai. Qu'elle chauffe. Il faut que vous rouliez avec, vraiment, et qu'il n'y ait aucun bruit, que les non. vitesses passent nickel. Fait, que c'est vous pas la rouliez normalement et que tout fonctionne, tout simplement. En fait. Le but, c'est pas d'effrayer le propriétaire qui va être non. en passager à côté de vous, de l'enrouler autour d'un arbre. Alors, c'est hyper drôle, mais... par contre, de... Voilà, ça m'est arrivé de faire peur à ses propriétaires avec la GT86, c'était drôle d'ailleurs. Mais bon. Mais... Bref. Vous faites la vente, vous faites vérifier qu'il y a tous les papiers, certificat de cession, certificat Attends. De langage, contrôle technique. Je vous fais pas la liste, tout est sur le site du gouvernement de toute façon pour l'achat de la voiture. Après la vente, c'est pas fini. Trouvez-vous un bon garagiste qui sache travailler sur les Youngtimer. N'allez pas, s'il vous plaît, entretenir la voiture en centre auto. Il y a des spécificités sur les Youngtimer qu'il n'y a pas sur les voitures modernes et on peut passer à côté de certaines choses. Tout à allez, fait. Allez au PZ Garage, je vous le dis comme ça. Voilà, allez au j'attendais qu'il le place. J'ai bien vu que t'attendais. C'est où le PZ Garage? Le PZ Garage, c'est à Bordeaux, boulevard Wilson. 273 boulevard Wilson. Tout à fait. Derrière Saint-Médard, on vous mettra la localisation dans la description. Ou peut-être un petit plan Google Maps avec des merguez qui se déplacent jusqu'au garage. Très bon. Hein, Karl? Non. Donc déjà, trouver un garagiste qui sache y toucher.
Prévoyez-vous un budget d'entretien qui est conséquent, surtout quand vous prenez des marques de prestige comme Porsche où les pièces vont dans tous les cas coûter cher. C'est pas parce que la voiture aujourd'hui a 35 ans que les pièces elles ont décoté. Elles valent toujours cher les pièces. Ouais. Et l'entretien coûtera plus cher qu'une autre voiture. C'est sûr. À moins qu'on prenne une voiture entre guillemets Youngtimer lambda, une AX, ça coûtera rien. Oui, oui, là je parlais pour celle-ci. Celle-là en effet, ça coûtera plus cher qu'une voiture normale. Il faut le prendre en compte dans le budget. C'est pareil, en encore une fois, on revient sur la question de budget de départ. Non, mais totalement. Et il y a aussi la notion de budget panne, parce que c'est une vieille voiture, vous allez être plus soumis à avoir des pannes qu'une voiture moderne, évidemment. Ou un entretien plus régulier, parce que forcément elle va un peu moins rouler, donc les entretiens vont être un peu plus rapprochés, parce que c'est pas une voiture tous où vous allez faire… Ça a besoin d'une bonne vidange de passer chez le garagiste. Voilà, c'est pas comme une voiture aujourd'hui où vous pouvez faire 20-25 000 km suivant les modèles, sans rien toucher, vous l'emmenez chez votre garagiste, voilà. Là, vous savez que tous les 5, 6, 7 000 km, passer au garage, petite vidange, petit contrôle que tout va bien. Donc forcément, ça a un coût plus important et plus régulier qu'une voiture récente. Bien sûr. Et contrairement à une voiture récente, vous allez régulièrement vérifier vos niveaux, vérifier vos pressions, parce que tout ça, ça a plus d'âge que votre voiture moderne et ça travaille différemment. Et il faudra vérifier pas l'éclairage, hésiter à mettre vérifier tout ça en fait. Ça va faire partie de votre petit plaisir de la sortie de vérifier que tout aille bien aussi. Si vous êtes vraiment pas mécano ou alors que vous détestez toucher à quoi que ce soit, je pense pas qu'une Youngtimer soit fait pour vous. Alors, parce qu'il faut un minimum. Alors, non, ah, je suis pas d'accord, un petit peu toucher quand même. Si vous avez un doute, il y a toujours le garage qui sera oui, à disposition. Il y a toujours le garage. Mais tu vois, il si, faut pas si avoir tu peur si de si se dire. Si tu as prévu ta sortie le week-end et que tu dis j'ai pas envie de faire mon niveau de nuit, j'ai pas envie de me prendre la tête, vous venez au garage, on fait les niveaux, les pressions, on prend 5 minutes et on regarde, ça prend 5 minutes. Je suis d'accord. Là, c'est le côté bon. Le côté, tu fais ta balade et au milieu de la balade, la voiture elle chauffe, t'as personne avec toi ou il y a personne qui est mécano, si tu touches pas un minimum. Eh bien, t'appelles l'assistance et te ramène à la maison. Oui. On a des clients qui font pas de mécanique sur leur voiture et il n'y a pas de souci, ça prenez peut arriver. Un petit peu, prenez le temps de vous renseigner quand même un petit peu de votre côté, de regarder, ça vous coûte rien. Intéressez-vous. Voilà, intéressez-vous, ça pourrait être que bénéfique pour vous. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura non, plu. Juste, j'ai ah bon, une... d'accord, c'est non, pas fini, juste... non, parce que la vidéo fait 46 minutes. Pardon, j'ai juste un dernier point. Une belle voiture, ce n'est pas une bonne voiture. Alors, on va la redire en français. Une belle voiture n'est pas forcément une bonne voiture. C'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit une belle voiture n'est pas une bonne voiture. Oui, mais c'est ça. Non, n'est pas forcément. Forcément. Ça peut être une belle voiture et une bonne voiture. Oui, allez, voilà. Forcément. N'est pas je suis forcément. D'accord avec Quentin. Voilà. Tout ça pourquoi? C'est parce que peut-être qu'elle peut être belle là, vous allez passer tous sur une merguez. Donc attention à la première impression. Exactement. Et les photos, c'est une chose, elle peut être très belle, mais encore une fois, déplacez-vous parce que ça peut être une vraie merguez quand vous allez la voir. Et prenez le temps. Exactement. Et si vous avez une vraie voiture, si vous avez une vraie voiture à prendre en photo et qui n'est pas une merguez, venez me voir. Et si vous voulez que vos voitures aient plus de gueule en photo que quand vous arrivez pour la visite, c'est ça. Vous allez voir Karl et il fait des photos fantastiques. Ouais, Karl, on n'en parle pas assez, mais c'est lui qui a repris les vidéos en main pour la chaîne et vous êtes nombreux à le dire qu'il fait un travail de qualité. Nous aussi, c'est de la folie. On le trouve et on le remercie énormément pour son travail. Donc, shooting vidéo, photo de vos voitures, ZDK Live sur Instagram et ZDK.life sur Instagram. Il mettra sa petite publicité par allez, là. Il va faire apparaître un petit il logo. Il va la mettre partout comme ça, gros. Voilà. Avec des pleins de merguez. Hein. On est sur le thème. Et voilà. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un petit peu différente sur la chaîne. Vraiment, un petit conseil d'achat, un petit guide d'achat. On Youngtimer. Tenait à le faire, en fait. Ça a été. Là, on s'est, ça nous a un petit peu sauté dessus. Et ça nous a un peu sauté dessus. Parce qu'un ami vient d'en acheter une. On se cache pas qu'on est fan de bagnole. Et moi, j'adore les anciennes. Donc, ça m'arrivera peut-être un jour. Donc, si on peut vous apporter des conseils, on a peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs en commentaire, des points que vous vérifiez à chaque fois. Mais voilà, nous on essaie de vous faire une vidéo assez concentrée. Un guide d'achat participatif, tout le monde peut rajouter sa petite pierre à l'édifice. Exactement, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous avez d'autres choses que vous contrôlez régulièrement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo des Charlots. Voilà, allez, à plus les Charlots. Ciao les Charlots.